touché. Lieutenant. Les toits de Qingdao, c'est vrai qu'ils sont rouges? C'est vrai. Rouges comme nos poulets au barbecue. Alors tu sais, avec un tas de sauce. Ouais. T'imagines le spectacle? Ça fait si longtemps qu'on attend ça. Ça va? Très bien. Où tu vas? En ville. Je vais voir Zhang. Ah. Reculez. Vous bouchez la rue. Ça va? T'as raison. Et pourquoi il y a tout ce monde? Ils sont venus nous accueillir. Garde à vous! Musique! En mesure! Et vous! Dégagez! Évacuez la rue! Plus vite que ça! Pourquoi on doit partir? On fait de la place pour les héros de la guerre. Qu'est-ce que tu racontes? C'était les vrais! Ça va se faire! Moi, je vous fous! Bonjour. Il paraît que le lieutenant Zhang habite ici. Vous savez où c'est? Ah, vous le savez? C'est par ici? Ou c'est par là? Grand-mère, c'est de quel côté? Bonjour, jeune soldat. Tu cherches quelqu'un, peut-être? Oui. Elle est sourde. Alors moi, je vais t'aider. Je cherche Zhang. Oh, c'est normal, tout le monde cherche Zhang. Vous pouvez me conduire? Oh, bien sûr, jeune homme, tout de suite. Les militaires sont tous pareils, très impatients. Quel militaire? Je suis dans la marine. Les militaires, la marine, vous êtes tous les mêmes. C'est pas vrai? Il faut que je voie Zhang. On peut satisfaire tous tes désirs. Viens, suis-moi. C'est joli ici. Oui, merci. Allez, suis-moi. Assieds-toi ici. Je te sers du thé. Et quand est-ce que je verrai? Tu es trop pressé, détends-toi. D'accord. Bonjour.
Qu'est-ce que c'est? Du sel, c'est pour te laver. Tu veux que je... Oh! Excellente idée! Mais ce n'est pas pour... Quoi? Oh, ça va, c'est parfait. Il y a de l'antiseptique? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Remets tes vêtements tout de suite! Mais t'es folle! Je ne veux pas qu'on... Je suis pas la bonne adresse! Qu'est-ce que tu as? Faut que je file tout de suite! Je t'en prie! Hé! Hey, tu dois payer! Vous vous êtes trompé! Je ne suis pas venu pour ça! Oh. Va-t'en! Excusez-moi! Je voulais pas... Oh. Va-t'en! C'est vous qui vous êtes trompé! Je cherche un homme, pas une jeune fille! Mademoiselle! Hé, toi! Tu dégages! Oh, lieutenant! C'est moi, Jet! Regardez, vous me reconnaissez? C'est bien toi! Oh. Lieutenant Zang! Et Jet! Tiens, merci. Je vais vous servir. Ah, oh, merci. Tu sais, j'aurais jamais pensé que je te reverrais. Si je suis venu dans cette ville, c'est seulement pour vous voir. À votre santé. Corbet. Ça va? Cet éclat d'obus vous fait toujours mal? Oui. Le médecin a dit que tenter une opération, c'était bien trop risqué. Ah, oh, ça ne me fait souffrir que de temps en temps. Tenez, ça va peut-être vous aider. Le voilà, le remède. Tu es sûr? Vous savez, je ne bois plus de ce torboyau depuis que vous m'avez tiré les oreilles. Zang, regardez, le porte-bonheur de jade que vous m'avez donné, vous avez vu? Il est plus foncé. C'est bizarre, non? Au fait, comment va votre fille? Elle est... morte. Quoi? J'ai pas envie de parler de ça. On arrête là pour ce soir. T'as qu'à prendre le lit. Je vais dormir par terre. Ah, ça non! J'ai une idée. Le lit, on se le partage. Oh, pas question. Tu es mon invité. C'est moi qui vais dormir par terre. Oh, j'ai trouvé. Écoutez, je dors par terre en premier et quand vos ronflements me réveilleront en plein milieu de la nuit, on changera de place. Hein? Tu as gagné. Jet? La pièce arrête pas de tourner. Ça t'aidera pas d'être à l'envers. Tu ferais mieux de boire de l'eau. Je pourrais dormir si j'avais pas le hoquet. Tiens. Je crois que j'ai bu un tout petit peu trop d'alcool. Tu feras attention maintenant. Ah, ça oui. Allez, bonne nuit. Hé, hey, vous avez déjà vu un truc pareil? Vous avez vu la taille de ses pieds? Tu montres? Ça couvre même pas votre gros orteil. Hey, c'est quoi ce machin-là? Bouteille très ancienne. Allez, bois un petit coup. Ah non, non, merci, Capitaine. Non. Vous prenez rien? Non, non. Jolie ceinture de cuir toute neuve. J'ai des bobins en soie, madame. Seulement 18 000 la paire. Pour tes bas, c'est vraiment cher. 18 000. 10 000. Seulement 10 000, monsieur. Qu'est-ce que tu viens de dire? Achète-moi, monsieur. Il faut que je rapporte un peu d'argent. Si tu veux bien m'acheter, je travaillerai beaucoup, promis. Il faut que tu m'achètes parce que mes parents, ils ont trop faim. C'est moi, faut m'acheter moi. Faut m'acheter moi, je suis moins cher. Non, je fais bien la cuisine, monsieur. Hé, hey, dégage, dégage, dégage! Dégage! Hé, hey, attention! Jet! Est-ce que ça va? Ça va? Ça va? Arrêtez ce tir! Arrêtez ce tir! Sors de ce bateau! Que ça va? Regardez!
recommence jamais ça. Emmenez-le chez un docteur. Tenez. Gardez votre fric. Que se passe-t-il, monsieur? Dispersez-vous! C'est ce soldat! Il essayait de nous faire tomber! Dis donc, toi, veux savoir ce qui se passe? C'est cet Américain, il nous a attaqués! Tout est rentré dans l'ordre, il n'y a pas de problème. Non, son argent, on n'en veut pas! On a raison! Sergent, nous allons régler ça nous-mêmes. Nous les emmenons à la base. Merci beaucoup. Attendez, c'est... Ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est réglé, monsieur. On y va. N'inquiète pas, demi-portion, on se reverra. Hé, hey, quel brute! T'as entendu ça? Amenez-vous, on va brûler sa voiture! Allez! On brûle! Faut pas que tu te mêles de ça! Tu vas avoir des problèmes! Laisse-les faire! Champion, t'as été génial! Ouais, génial! On a gagné! On va arroser ça devant un verre au bar! Ouais, ouais. Il a raison! Ouais. Ouais. On y va! Ouais. Arrosons ça! Nous. Allez, allons-y! Y'a là ma poupée qui est la plus belle de toutes! Oh, viens par là, ma petite chinoise adorée! Jamais venue dans un bar? Je vais te faire visiter! Alors les amis, qu'est-ce que je vous sais? De la bière. Très bien, quatre bières. Quatre bières par ici. Que tous les bars sont comme ça? Oui, sauf qu'ils n'ont pas tous un ring. Il y a souvent des combats ici. De gros paris. Les Américains, ils sont très joueurs. Et il y a aussi toutes ces filles au bar, ils aiment ça. Hé, hey, ma poule. Oh, qu'est-ce qui se passe? Chérie. Une petite danse? Oui. Oui. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu veux? Bien, Jacques, tout de suite. T'as vu ça? Non, regarde, t'as vu? Attends, arrête, je veux pas ça, t'es malade. Donne-moi ça. T'es dingue. Eh, hey, mais tu pourrais en avoir besoin. Allez, donne. Fais voir ta tête. Il te plaît, mon bonnet, hein? Arrête. T'aimes ça, joue au ballon? Arrête, c'est cadeau d'année. Ouais, qu'est-ce qu'il va faire avec ça, lui? T'es heureuse, mon petit sucre d'orge? Hey, regarde ce type. Tu sais ce que fait un vrai mec avec ce truc-là, mec? Non. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, ouais. Non, mais regarde comme il tire dessus, ce crétin. De toute façon, les Japonais, ils vous les ont coupés. Allez, renvoie. Non, mais c'est pour ça que je le trouve tout petit. Tout le monde peut pas être aussi grand que moi. Allez, renvoie ça. Tu veux un petit coup de main avec la fille? Qu'est-ce qu'il raconte? Tu comprends ce qu'il dit? Il dit que t'as pas de couilles et qu'il va se faire ta femme. Quoi? Attends. Non. Dis donc, toi. Dis-moi comment on l'insulte. Enculé. Espèce d'enculé. Quoi? C'est à moi que tu parles? On va voir si t'as les couilles pour m'enculer. Viens. Et assez fraîche pour toi. Vas-y, démolis-le, allez. Des vapeurs, vas-y. Tu vas la voir. Mais tu vas voir qui c'est l'enculé, hein. Qu'est-ce que tu veux, toi?
Est-ce que ça va? Oui, merci. T'es pas blessé? Merci. Hé, hey, le jaune, si tu veux te battre, c'est contre moi. Si tu tiens 3 minutes, tous ces dollars, ils seront à toi. Allez, viens, il va aller là-bas. Qu'est-ce que t'en penses? 3 minutes, c'est pas long. Vas-y, il faut qu'on lui prenne. Vas-y. Enfoiré, attends, allez, je vais y aller. Non, surtout, fais bien attention à toi. Hé, hey, viens ta faim ici. Ce sera un recouvrant. Tu mets KO dès le début, d'accord? T'es ouais. Prêt? Je parie 50 billets qu'il va te démolir, pauvre type. Allez, tout le monde l'encourage. Faut lui montrer qu'on est avec lui. C'est un chinois, pas vrai? Allez, faut parier sur lui. Oui, il va gagner facilement. Il a raison. Pariez pour elle, il a raison. Tu paries sur lui? Pourquoi pas? Ah, alors après, tu vas pouvoir me rembourser. D'accord, je parie. Va falloir que tu ailles faire sa belle. Allez, vas-y, ramène-toi. T'as la trouille ou quoi? Si t'es un lâche, fiche le camp. Va pleurer chez maman. Vas-y, mon gars, va te battre. Allez, courage. Ah, et on parie, les gars. Je vous le donne à 2 contre 1. Alors, Sam, on y va ou quoi? Oui, j'arrive tout de suite. Allez, on y va. Ça y est, il est là, monsieur Bailey. Vous êtes prêts? Allez, non! Attendez, ce n'est pas un combat à la chinoise. Alors, je vous donne les règles. Ne fais pas de cadeau! Pas sous la ceinture. On n'utilise pas les genoux. Pas les genoux, compris? Allez, on y va! C'est parti! Vas-y, chef, mets le KO! Vas-y, Bailey! Amène-toi! T'as pas le droit de te servir de tes pieds. Tu veux quoi alors? Sam, tu lui répètes la règle. D'accord, d'accord. Les coudes. T'as pas le droit, compris? C'est ta droite. Oui, mais alors, c'est plus des armes. Ouais, génial. Allez, mêlez. Super, t'es meilleur. Attention. Mais t'es frappé. T'as pas le droit de le jeter comme ça. Tu vas être disqualifié. Mais alors, qu'est-ce que je fais? Foiré. Pas la tête, pas les coudes, pas les pieds. Je fais quoi, moi? Je sais, mais c'est de la boxe américaine. Je peux me servir de mes mains? Non, surtout pas. Seulement les gants. Bon, alors j'arrête. Amène-toi. Il n'y a pas de règle pour lui. Maintenant, c'est différent. Hein. Vous pouvez utiliser vos pieds. Amène-toi, je vais te donner le soin. Non. Arrête, arrête de combattre.
T'es un vrai chef. Tu t'es battu comme un dieu. Ah, ça, c'était rien. Dans ma région, il y a beaucoup plus fort que moi, vous savez. C'est vrai. Hé, fais voir les dollars. Je les ai changés. Contre quoi? Sam m'a donné la monnaie du coin. T'es qu'un idiot. Ça vaut rien du tout. Non, je trouve que c'est mieux que rien. Tiens, ta part. C'est pour moi. Et vous, alors? Il y en a plein. Un sac plein. Ah, c'est suffisant. On est d'accord. Alors, je le garde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut. À bientôt. Achetez-moi, je coûte que 8 000. S'il vous plaît, monsieur. Ça va? Est-ce que tu as pas... Je m'en donne. Tiens, hé, hey, doucement, les enfants. Doucement, je vous en donne un seul à la fois, les enfants. Pour toi. Et toi. Et voilà. Un seul. Non, non, pas tous en même temps, arrêtez. Non, doucement, les enfants. Il y en a encore. Arrêtez. Où t'étais passé? Oh, je me suis promené. Venez, on s'en va. Tu devrais être prudent. Et te mêler de rien. On vit une drôle d'époque. Ils ont brûlé une voiture aujourd'hui. Ouais, et celle des Américains. Je sais, j'étais là. Quoi? Vous inquiétez pas, j'ai rien fait. Regardez, j'ai plein de billets. Je vous invite à boire un verre. Allez, montez, je vous emmène. Ouais, t'as la forme aujourd'hui. Allez. Venez voir. Il y a un problème, Jet. Oui, le rayon s'est cassé. Vous voyez? Il est temps de mettre une nouvelle roue. Une roue neuve? Tu sais combien ça coûte? J'ai dépensé la moitié de ma prime de guerre pour remettre ce pousse-pousse en état. Alors écoute-moi. Au garage, ils vendent des pièces d'occasion. C'est vrai? Tu ne veux pas courir là-bas pour acheter quelques rayons? J'y vais. Hé, hey, Zhang, vous avez faim? Non. À tout à l'heure. Non, pas question. Enlève tes mains. Bah quoi? Bah alors pourquoi j'ai payé? Où je vous emmène? Tout à l'heure. Pas calme, ici. Calme, ma jolie. Allez, je vais pas te mordre. Hé, hey, t'attends quoi pour démarrer, toi? Allez, avance, lève-toi et fonce. Je veux descendre. Pourquoi? On vient de commencer. Je suis désolée. Je veux rentrer chez moi. Mais qu'est-ce que t'as, hein? Allez, je vais bien me tenir. De quoi t'as peur? Tu dois être nouvelle dans le métier, c'est ça? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu regardes ce vieux? Regarde-moi, allez! Non, lâche-moi. Mais c'est quoi ton problème? Hé, hey, papy, allez, avance un peu plus vite, là. Je t'ai dit de te bouger les fesses. Hé, hey, t'avances comme une tortue, alors bouge-toi! Et que ça saute, allez! Arrête! Non, non, je te rends ton argent! C'est quoi ton problème? Arrête! Je veux pas que tu me rendes mon argent. Je veux la marchandise que j'ai achetée et c'est toi. Je préférerais que tu sois morte plutôt que de te voir comme ça. Hé, hey, attends, reviens ici. Tu vas voir, ton vieux connard. Pourquoi t'as fait ça, hein? Voyou. Thank you.
je vous emmène. Tenez. Qu'est-ce que c'est? C'est pour Monsieur Zhang. C'est pour le lieutenant? Oui. Il n'est pas au courant, mais je paye en cachette pour ses courses en pousse-pousse et tout le reste. Je sais qu'il est souffrant et qu'il pourrait avoir besoin d'argent. Je peux aussi vous servir de chauffeur? Je veux bien. Emmenez-moi à Yuchen Road. D'accord. Bien, plaît. Elles sont belles, c'est combien? Hey, t'as vu Oncle Wong? Pas ces derniers temps, pourquoi? J'ai quelque chose pour lui, regarde. Jet, est-ce que t'as vu Yao? Sa femme va accoucher. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, toi, tu vas chercher Yao et moi, je l'emmène chez le docteur. J'y vais tout de suite. Accrochez-vous, on est presque arrivé. On y est dans 5 minutes. Hé, hey, où tu cours comme ça? Et pourquoi est-ce qu'on ne voit plus au bar, hein? T'as peur de nous, hein, c'est ça? Tu sais bien te battre? Tu veux te battre avec moi? Non, mais non, il y a la trouille. Il sait qu'il a eu la chance la dernière fois. Hé, hey, où tu vas comme ça? Hé, hey, où tu vas, Dabo? Pourquoi tu vas t'en sortir comme ça? Alors, on y va. Mi-portion. Désolé. Dégage de ma vue, allez. Nettoie correctement, c'est dégoûtant. Ça va? Non, ça va? Est-ce que tu as revu les marins de l'autre jour? De qui tu parles? C'est, il y avait ce Yankee que j'ai combattu. Mais pourquoi tu les cherches? Parce que ces bâtards ont volé le pouce-pouce de Monsieur Zhang et l'ont complètement détruit. Non. Qu'est-ce que je vais dire à Monsieur Zhang? J'ai une idée. Suis-moi. T'as besoin de boire un verre, de bière. Assieds-toi. Ce que tu vas faire, c'est lui en acheter un tout neuf. Avec ça. Non, pas question. Prends ses billets. C'est pas une grosse somme et ce bar me rapporte assez. Achète de nouvelles roues à Monsieur Zhang. Oui, mais... Écoute-moi. Je te respecte et tu le sais bien. C'est un prêt. Ça te va comme ça? Écoute, Sam, je vais travailler pour toi. De cette façon... Non, prends cet argent. Non, je veux pas. T'es sûr que t'as pas du travail? J'ai peur que non. Alors, j'en veux pas. Si tu insistes, j'aurais peut-être quelque chose à te proposer. Oui, mais pas pour très longtemps. Dis-moi ce que je devrais faire. Les Yankees cherchent un sparring partner, juste pour un jour ou deux. Alors, si ça te dit, je peux peut-être... Sparring partner? Ouais. Regarde. C'est celui qui va finir en bouillie. Merci.
À ce que je vois, c'est dans mes cordes. Tu veux que je commence quand? Mais tu n'as pas le droit de riposter. T'inquiète pas, ton boxeur, tu viens de le trouver. Bon, d'accord. Alors, je commence quand? Tu peux commencer tout de suite, si tu veux. Ok, ouais. À toi de jouer. Ta droite. Allez, frappe plus fort. Allez, allez plus fort, Bélé. Ce bâtard de Bélé. Tu vas payer pour le pouce-pouce. Qu'est-ce que tu veux, toi? Allez, casse-lui la tête, viens. Amène-toi. Hey, c'est quoi cette histoire-là? Tu m'as bien dit que ce type devait être mon sparring partner, ça. Je te l'avais bien dit, un sparring partner ne se défend pas. Alors maintenant, je t'en prie, laisse-toi faire. Mais c'est lui le voleur. Tu nous as raconté ça. Attendez, je vais finir. Arrête de te battre. Là, si tu veux pas finir en défense, sinon ils vont me tuer. Il faut pas qu'ils battent. Alors je m'en vais. Il faut qu'il arrête de se défendre. Non. Dis-lui. Tu peux pas, c'est trop tard maintenant. Et les marins, ils vont se venger sur moi si tu pars. Je t'en supplie, me laisse pas seul avec eux. Et n'oublie pas qu'on a fait un marché. Tu m'as demandé du travail et je t'en ai donné. À toi d'honorer ta part du marché. Sinon, ils vont tout détruire ici et moi avec. Continue, je t'en prie. Te défendre. N'oublie pas que tu m'as donné ta parole. Ok, ça suffit. Vraiment super, vrai champion. Ah, t'es un vrai sparring partner. Ouais, il t'a bourré les fesses. Hein. T'as vu ce que c'est qu'un combat, mec? Hey Jet, regarde-moi. Il t'a pas blessé, j'espère. Je suis vraiment désolé. Tu sais, t'es pas obligé de venir demain? Ma parole, je te l'ai donnée. Alors je vais la tenir. Sam? Oh, merci. C'est ce qu'on me doit, je crois. Alors, est-ce qu'il vient demain? Oui, bien sûr, il a promis. Bien sûr. Oui, pas de souci. Génial, c'est du bon boulot, Sam. Merci. Allez, beaucoup. Demain. Oui, à demain, à demain, à demain. Qui est là? C'est moi, Na. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Merci.
Je ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Il fallait que je vous voie pour vous demander si... si vous allez retourner vous battre là-bas demain. Bien sûr, j'ai donné ma parole. Alors j'irai. De toute façon, Sam m'a déjà payé. Il s'occupe bien de moi. Vous trouvez pas? Sam est le pantin de Bailey. Il n'est pas de votre côté, il se sert de vous. Sam? Il voulait que vous soyez leur sparring partner. Ils ont préparé leur plan hier. Ouais, je vois. C'est moi qui ai un plan maintenant. Ouais, qu'est-ce que tu lui as dit? Mais moi, je pense que j'aurai mis moins de temps. C'est moi le meilleur. Allez, amène-toi. Allez, amène-toi. Allez. Il s'est même pas rendu compte de ce qui lui arrivait. Il était trop sonné. Capitaine, pourquoi vous m'avez cogné? T'es qu'un fils de pute. Tu veux combattre ce chinois? Alors fais-le comme un homme. Non, Jet, vous devez abandonner. Pas question. Pas avant de leur avoir donné une bonne leçon. Ça va? Je suis ravi de te voir. On peut dire que tu es ponctuel. Arrête ton cinéma! Quand j'en aurai fini avec eux, je m'occuperai de toi. De quoi tu parles? Tu sais que je suis avec toi. Regarde, mais il est venu. Ouais, il... Allez, vas-y. T'as l'air en forme. Mais je doute que tu tiennes très longtemps. Amène-toi. On va se battre, mais avec mes règles. Dis-lui. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur? Quelles règles? Oublie-moi, chinois. C'est lui que tu vas combattre. Tu te souviens de moi, Nabo? Tu vas te battre contre moi, pas contre Bailey. Je me bats pas contre lui. Aujourd'hui, c'est pas vous qu'il est venu combattre. Bailey s'est permis de déshonorer son uniforme et je ne peux pas tolérer ça. Tu sais te battre, alors voyons combien de temps tu tiendras contre moi. On se battra jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'un de nous ne se relève pas, et je suis sûr que ce sera toi. J'ai l'intention de te démolir. T'es pas obligé de te battre contre lui, tu sais. Ce qu'il veut, c'est vous tuer. Refusez de combattre. Tu refuses de te battre? Tu me feras pas croire que... tu n'es qu'un trouillard. C'est comme ça que tu m'as appelé. Alors, tu te décides? Il n'y a qu'un trouillard. Et c'est vous. Alors, prouve-le. Je suis votre homme. Mesdames et messieurs, voici celui qui est la gloire de la marine américaine. Le champion des forces armées catégorie poids lourd. Invaincu en 41 combats, le capitaine Hans. On applaudit notre champion qui va se battre à main nue contre le démon chinois. Allez capitaine, on est avec vous. Faut le démolir, allez! Ah!
Ça va ? Une queue de 10 kilomètres. Alors je leur ai dit, regarde là-bas, chacun s'y jette. Faut y aller, dépêchez-vous, dépêchez-vous, faut les massacrer. Allons l'aider, vite, dépêchez-vous. Allez, on y va. C'est pas fini, je suis toujours debout. Amène-toi! Allez!
Sam Fong, oui, il y a une bagarre dans mon bar sur Yangtze Road. C'est les marins américains et les gens d'ici. Pousse-pousse de Zang. Je te ferai payer. Je vais te battre. Je vais te faire payer. Je vais te faire payer. Tout est réglé. Vous pouvez partir. Monsieur Zang ? Oh, j'oubliais. Merci.
Merci de vous être si bien occupé de lui, docteur. Hey, est-ce que tu as vu Jet? Pas depuis longtemps. Moi, je... Jet a été blessé dans une bagarre. Je l'ai emmené chez moi. C'est toi, Jet? Zhang! C'est bien vous. Vous êtes guéri. Eh oui, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout a commencé quand j'ai emmené la femme de Yao à l'hôpital. Ils m'ont suivi et votre pousse-pousse, ils l'ont mis en pièces. Je veux qu'il paye. Ah, c'est qu'un pousse-pousse, oublie ça. Ce qui importe, c'est toi. Pas cet engin. Je t'emmène chez moi. Hein? Pourquoi? Arrêtez! Pourquoi vous faites ça? C'est qu'une traînée, voilà pourquoi. Allez, viens. Arrêtez! On y va. Je reste ici. Dépêche-toi. Qu'est-ce que vous faites? Non, je veux pas, non! Zhang, arrêtez! Je suis ridicule! Qu'est-ce qui vous arrive? Je vous trouve bizarre! Et toi, ce que tu faisais dans un bar à pute, c'est pas bizarre? Quoi? De quoi vous parlez? Tu sais très bien de quoi je parle! Quoi? Mais vous me lâchez maintenant, lieutenant! T'as raison. Faut pas s'énerver! Et vous, vous n'aviez aucune raison de la frapper! Elle m'a sauvé la vie! Vous devriez la remercier, mais au lieu de ça... Vous la frappez? Dites-moi pourquoi. Pourquoi vous l'avez frappée? Parce que c'est ma fille. Alors? Vous la frappez. C'est votre fille et... Ah, maintenant j'y suis. Zhang, est-ce que vous avez oublié ce que vous m'avez dit quand on était sur l'île? Que vous vouliez survivre à cette bataille uniquement pour revoir votre fille? Fiche le camp! Non! Mais l'autre jour, quand je vous ai demandé de ces nouvelles, vous m'avez dit qu'elle était morte. Et moi j'y ai cru. Comment vous avez pu? Tu vas me foutre la paix! Vous avez oublié que c'est un être humain! C'est peut-être une traînée, mais ça ne change rien! C'est toujours votre fille! Vas-y! Continue! Dis-le à tout le monde! Vous avez tous entendu? Ma fille n'est qu'une putain! Qu'est-ce que tu attends? Dis-le au monde entier! Je vois pas ce que ça peut faire! C'est quand même votre fille! Zhang! Mais pourquoi vous la traitez comme ça? Vous savez ce que je pense? Vous agissez comme... un... Vous n'êtes qu'un vieux... Eh, vas-y, dis-le. Un vieux quoi? Vous agissez comme un vieux fou. Très bien. Alors fiche le camp. Tu m'entends? Fiche le camp, dégage. Tiens, prends tes affaires et ne reviens jamais. Ouais, c'est parfait. Je m'en vais si c'est ce que vous voulez. Je pars pour toujours. Viens ici, mon chéri. Viens voir papa. Ah, je vais t'attraper. Oh, t'es qu'une petite coquine. Vas-y, ah, cours vite. Ah, ah. Ça y est, je te tiens. Mon père adorait quand on venait à la plage. Avant, nous étions vraiment très proches. Et si heureux, mon père et moi. Oui, avant, il aimait sa fille. Avant? Vous êtes sûre? Il a été blessé de voir que j'étais devenue une prostituée. Tellement de choses ont changé. La mort de ma mère. Et ensuite, la guerre. J'aurais aimé que tout soit différent. Il doit bien y avoir un moyen de le faire changer d'avis. Zhang, est-ce que ça va? Hé, hey, salut! Il faudrait qu'on parle tous les deux. Je vois pas de quoi on aurait à parler. Je sais bien que vous m'avez jeté dehors, mais j'avais quand même envie de revenir. Vous voulez bien? Écoutez, j'ai besoin d'un conseil. Tu me demandes mon avis? Tu peux toujours courir. Je suis amoureux. Je vous jure. D'une fille du bar. C'est pas vrai. Si, et c'est vous le responsable.
Si vous ne m'aviez pas jeté dehors, on se serait jamais rencontrés. Mais vous l'avez fait. La vie est dingue, pas vrai? Je peux dire que c'est votre faute si je suis amoureux. Et moi, je peux dire que t'as une dette envers moi. Vous voulez que je vous dise? Elle est magnifique, ça vous pouvez me croire. Ses yeux ont la taille de ce bol. Elle a aussi de longues jambes, des seins ronds comme des pommes. Un nez minuscule. Aussi petit que ça. On voit que tu aimes son nez. Son arrière-train. Oh, bien rond, comme je les adore. Mais elle... Parce qu'il y a un mais. C'est une fille de joie. Ah. Ouais. Elle a jamais voulu faire ça. Elle avait commencé des études et puis cette affreuse guerre est arrivée. Alors il a bien fallu qu'elle se nourrisse. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a dit qu'elle voulait arrêter. C'est très bien de vouloir arrêter. Je pense qu'aucune fille n'a envie d'être une putain. Arrêter, c'est la seule chose sensée qui lui reste à faire. Donne une chance à ton amie. Cette fille a du courage. C'est vrai. Elle a droit à une autre chance, pas vrai? Alors, est-ce que je peux vous la présenter? Quand tu voudras. Elle est derrière la porte. Bougez pas, je la fais entrer. Vous êtes prêts? La voilà. C'est toi? Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Fiche de camp! Hé, ça va pas? Dehors! Arrêtez! Tout de suite! Ça suffit! Qu'est-ce que dehors, vous faites? Quoi? Fais-la sortir de chez moi! Restez! Zhang, vous avez oublié ce que vous venez de dire? Pourquoi elle n'aurait pas le droit d'avoir une nouvelle chance? Parce que c'est votre fille! Pourquoi vous êtes aussi têtu et aveugle? Vous croyez qu'elle a voulu ce qui est arrivé? Je vous en supplie! Pourquoi c'est si dur de lui pardonner? Vous êtes trop stupide et trop borné! J'en ai assez! Papa! Jet, je vous ai entendu. Est-ce que ça va aller? Si on s'asseyait pour manger. Eh bien, j'ai presque tout cassé. Oui, mais vous avez loupé la table. Je vais arranger ça. Papa, je peux aller chercher de la nourriture et du vin? Oui, bonne idée. Oh, attends, prends le meilleur vin. Bien sûr, je connais tes goûts. Mais tu vas te dépêcher de sortir les poubelles. Qu'est-ce que vous désirez? Un poulet rôti et deux bouteilles de vin. Tout de suite. Merci. Hé, hey, viens par ici, toi. Mais... Ah, mais là, qu'est-ce que vous faites? Toi, tu viens. Arrêtez, nous. Viens chez qu'est-ce moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-la. Arrêtez. Allez, toi, tranquille. Senna, la fille de Zhang. Oui, c'est elle. Va prévenir Zhang. Moi, je vais essayer de les arrêter. Zhang! Qu'est-ce qui se passe? Des marins américains ont enlevé Na! Quoi? On y va! Où elle est? Où est ma fille? Les types avec qui tu t'es battu l'ont emmenée vers les entrepôts! Je vais aller les aider! Oui, moi aussi! Allez-y, gardez-moi ça! Conduit comme un pied, espèce de banana. Elle a foutu le camp maintenant, attrapez la vie. Ne t'en fous pas. Oui, oui. Merde. Oh.
Alors je vais te donner une bonne leçon. Plus vite. Plus vite. Ça va. Vas-y. Va aider, Dena. D'accord. Vite. Arrêtez-vous. Je crois qu'on n'a pas fini la dernière fois, alors prépare-toi. Où est-ce qu'elle est? Non! Lâchez-moi! Ferme-la! Ferme ta gueule ou ça va être ta fête! Je t'ai dit de la fermer! Qui vous a fait ça? Zong! Non! Zong! Lieutenant! Répondez! Nom de Dieu! Vous n'êtes qu'une bande de tarés! C'est pas moi, capitaine! C'est Bélé! Hey, tu vas la fermer, ta grande gueule! C'est la ferme! Il les a jetés de là-haut! Lâchez-moi! C'est des assassins! Debout! Qu'est-ce que tu penses de ça, espèce d'enfoiré? À cause de toi, on vient d'avoir tout un tas de problèmes! T'aimes te battre! Alors bats-toi! Écoute, t'as peut-être été fort contre les Japonais, mais moi je vais te briser! Ces Américains sont des meurtriers! Pourquoi vous voulez rien faire? Moi, tu la fermes! Pas de soucis, je suis sûr qu'il n'y a aucun problème. C'est vrai? Oui, pas de soucis. On va les chercher. Pour vous, tenez. Savez-vous? C'est des Américaines. Oui. Elles sont bonnes. Ah, très bonnes. Vous en voulez d'autres? Eh oui, merci. Elles sont meilleures que les nôtres. Garde à vous!
Capitaine, nous devons avoir des éclaircissements concernant ces deux morts. Tout ça n'est qu'une regrettable erreur. Vous êtes sûr? Aucune importance. Oui. Je vais m'en occuper. Oui. Pas de soucis. C'est par ici. Hé hey, vous n'allez quand même pas les libérer! Ces marins sont des meurtriers! Ils ont tué deux de mes amis la nuit dernière! Ils n'ont pas le droit de partir! Faut les mettre en prison! Qui fait la loi dans ce pays? Le gouvernement chinois ou les militaires américains? Ce pays est à nous ou à eux? Répondez! Laissez-moi sortir! J'ai rien fait de mal! Cette marque est vraiment bonne! Je vais en prendre aussi! Ils sont des assassins! Ils méritent la peine de mort! Je me vengerai! Allez! Vengeance! 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 Capitaine, je vous jure que c'est pas de ma faute. Le vieux est devenu fou, mais faut me croire. Je pouvais faire quoi, moi? Il a basculé, c'est comme ça que ça s'est passé. Ferme-la. Trou du cul. Dis-lui, sergent, je vous dis la vérité, c'est comme ça que ça s'est passé. Ah, nom d'un chien. Allez, venez m'aider. Attrape ce côté. Tiens ça, toi. T'es prêt? Allez, on se soulève. Capitaine, on a besoin d'un coup de main, là. Allez, tous ensemble. Hé, hey, planquez-vous! Il est là-bas, dans l'entrepôt. Et capitaine, il est où? Quelle merde! Ce fils de pute, on va lui régler son affaire, capitaine, d'accord? Allez de ce côté. Toi, tu viens avec moi. Et en avant! Ça va, je te suis. Où tu te caches? Viens voir papa, mon petit Nem. Viens par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi. Ça va aller, du calme. Je veux pas vivre. Où est-ce qu'il est? J'ai mal. Tu vas la fermer, putain. Je veux savoir ce que vous foutez, là. Je vais descendre. Attends, je reviens. Touchez pas la corde. Je vais te faire descendre de là. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, j'en peux plus. Et tes hommes qui avaient cherché les problèmes. Moi, j'avais rien demandé. Cette fois, vous allez payer pour vos actes. Non! 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 Non, pas ça! Non, pas moi! C'est un marin américain! Non! Non!
Oh!